Le prince William semble avoir fait passer un message discrètement. Lors d'une visite officielle le 15 janvier, le duc de Cambridge a estimé qu'il fallait avancer face aux mésententes. En référence aux tensions supposées entre le futur roi d'Angleterre et son petit frère le prince Harry, depuis l'annonce fracassante d'Harry et Meghan de se retirer de leurs obligations royales, provoquant une crise sans précédent dans la monarchie britannique, chaque mot prononcé par les Windsor est analysé à la loupe. Pour leur premier rendez-vous officiel depuis la réunion familiale d'urgence convoquée à Sandringham le 10 janvier par la reine Elizabeth II, le prince William et son épouse Kate se sont rendus à Bradford dans le Yorkshire. Ils ont visité le centre Kidma, à la rencontre de leaders religieux de différentes confessions. Alors que la conversation allait bon train sur les relations entre les communautés et la façon de gérer les désaccords, le prince William a lancé « Il est parfois difficile de faire comprendre aux gens que ce n'est pas grave de faire face à de tels défis. Nous devons juste les relever et avancer plutôt que de rester paralysés. » Difficile de ne pas y voir un sens caché quant à ses relations avec le prince Harry. Selon People, les tensions entre les deux frères datent d'une conversation durant laquelle William aurait mis Harry en garde sur le fait de ne pas se précipiter avec Meghan Markle. Mais le jeune couple n'a écouté que son cœur. Selon une source du magazine, le duo savait dès la naissance de leur fils Archie qu'il allait appuyer sur le bouton nucléaire en annonçant leur changement de vie.